parti au début sur ce qu'on a fait sur The Lion, le P était plus un hardcore classique. Voilà, on cherchait à faire un truc groovy, un peu rock, simple, un peu efficace, catchy, quoi. Rock, voilà, catchy, un truc efficace, quoi. Et puis voilà, on avait fait quoi, donc fallait faire autre chose, quoi. Donc on a cherché des compos, des nouveaux trucs, très influencé par pas mal toute la scène Bridge Nine, voilà, tous les trucs ricains, tout ce qui s'est fait dans cette veine-là, les Expire, les Backtrack, les Trapman de Life, tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, beaucoup d'inspi de ce côté-là, et puis voilà, une modification sur la voix, quoi, un truc plus, plus dans les médiums et tout, ça collait plus, ça racaille plus avec la zik, je trouve, quoi. Le braillé aigu, en fait, en tournée et tout, ça a été un peu dur des fois à tenir aussi, quoi. Du coup, ça fait quand même, voilà, maintenant quasiment 15 piges qu'on utilise, qu'on braille sur les cordes vocales, donc ça tire forcément, quoi. Du coup, c'était à la fois ça, à la fois une volonté de changer, quoi, de changer de grain, de faire un truc... qui racaillait plus, quoi, qui collait plus à ce qu'on allait faire comme compo, quoi, parce que voilà, j'ai pas fait le chant avant de faire, on a déjà fait toutes les compos, la zik, et une fois tout était fini, là je me suis mis à faire, à bosser le chant, quoi, donc du coup c'était vraiment bien séparé. Je savais pas exactement ce que ça allait donner, après c'est vraiment, de toute façon, c'est quand tu commences les prises, à faire vraiment les prises voix que c'est là que ça se détermine, quoi, donc on a vu lequel grain collait mieux, quoi, effectivement, ça collait pas mal, quoi. Donc, toi, c'est vrai que ça t'était venu, surtout non, après, quand on avait fait la tournée, que tu t'étais niqué la voix. Et que ouais, si, j'avais pas remarqué, peut-être qu'il faut modifier ça ou quoi. Moi, j'entends plus voilà. Grave, que t'avais des bons retours aussi, que les gens te disaient, carrément. Ah, c'est carrément cool aussi en grave. Et que... Ça permet de pas. Puis moi, c'est pas. À la base, c'était la solution, pas de facilité, mais le fait d'avoir trouvé ma voix comme ça quand je jouais dans Danny Levin, du coup, je m'étais dit instinctivement, bah, je chante comme ça en fait, quoi. On a trouvé mon truc, c'est ça, quoi. Donc, je m'étais dit, bah, maintenant, je chante comme ça. Donc du coup, c'est venu naturellement que sur l'EP de The Lion, j'allais chanter comme ça, quoi. Et puis on a même poussé le vice à essayer de chercher des notes, justement, assez aiguës, etc., quand on faisait les prises, donc... Mais voilà, fallait changer, c'était bien, c'était du changement. Les compos, c'est bien évolué aussi, comparé à l'EP, donc c'est... Enfin, il y avait déjà ce changement à la voix, et puis le fait d'avoir deux guitares, du coup, vraiment sur scène... C'est ça. Parce qu'il y avait cette volonté. Ce qu'on verra pas là sur la vidéo. Ce qu'on verra pas sur la vidéo, malheureusement. Dommage. Mais cette volonté d'évolution, je pense. Come on.
Merci beaucoup, merci à tous les cas ce soir. C'est vraiment cool, Orléans sur 8, c'est la deuxième fois qu'on passe. C'est vraiment mortel à chaque fois, l'orgue est au top. Voilà, tous les copains du coin, tous ceux qui se ramènent, c'est vraiment au top. Merci encore à vous, à tous d'être ici. C'est cool de faire des déplacements à chaque fois. Salut France. Ça va être cool. Mais c'était cool ce soir d'être là, à Orléans, avec vous. Dans un voir tous les potes, là, pessimistes, c'est marrant de voir que c'est tous les mêmes mecs de Nancy et tout ça, tu reprends les mêmes et tu refais d'autres groupes, quoi. C'est cool, et puis bah, pareil, les Gunman Awake, franchement c'est cool. Dans un lieu, dans un lieu ah, le sandwich, vraiment, ça, ça, vraiment bien. Ah, ça défonce. Ah, c'est vraiment cool. Associatif comme ça, c'est vraiment cool. Il n'y en a pas partout comme ça en France, et non, c'est vrai. Ça manque. Ouais, c'est le genre de lieu qu'il faut essayer de garder en vie, quoi. À Tours, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, bah, voilà, t'as toujours le Canadian, quoi. Le Hurricane aussi, où je fais des concerts. Autrement, bah, t'as le Winchester maintenant, qui est l'ancien quoi, merde. Blacko, quoi, c'est ça. Dans les centres-villes. Ouais, non, mais dans les plus grosses villes comme Orléans ou Tours, en fait, c'est soit des bars où tu peux faire des concerts, soit la grosse salle. Soit quoi. Une grosse salle. T'as pas l'entre-deux, quoi. Voilà. Smack. Alors, ben, quand je regarde, du coup, en Vendée, parce que. Ouais, t'as les petites. T'as plein de. Enfin, t'as plus de lieux de associatifs. Des trucs autogérés, c'est vachement peut-être un peu plus simple au final, je sais pas. Ouais, ça devient dur, on va dans les deux. Bah ouais, le Canadien avait pris une sorte de prune comme ça. Ouais, le Canadien il a été un peu fermé, genre, enfin, pas fermé, mais il avait pas le droit de mettre de son. C'est pas de concert. Il avait plus le droit de mettre de son, même du son. Non. Pas le droit de mettre de musique dans le bar, quoi. Ah, c'est le problème. Pendant je ne sais combien de temps. En ville, t'as toujours un voisin qui est là pour se plaindre, un truc, et du coup, bah, ça fout le bar. Malheureusement, tous ces lieux ferment les uns après les autres. Pour l'instant, ça va à Tours encore. Ouais, à part ce que tu dis, franchement, il reste dehors. Bah, c'est ça, et puis c'est chaud, quoi, c'est 19-22, faut que tout soit plié, parce que faut pas qu'il y ait de bruit, faut pas qu'il y ait... Après, c'est direct, tu tapes sur la salle subventionnée, quoi, ton machine. Mais là, c'est plus... C'est ça, quoi. Ouais. Ou après... Si, c'est pas gentil, là, faut l'avoir, je pense, mais ça va vachement longtemps à l'avance, et puis... C'est là où il fait le Rip Fest, Emile, non. Donc c'est pas grave, ça va être cool aussi, quoi. Une bonne affiche, là, j'ai eu... Danny Even, Bent Life, Risk It, c'est quoi, une belle affiche, cette année. C'est quoi la tête d'œuf, je sais plus. Band from Pain. Band from Pain. Band from Pain. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, ça se bouge un peu, c'est bien. Ok, la prochaine, c'est l'ancienne qui était sur le premier replay qu'on a sorti il y a 4 ans maintenant, tout comme ça. Allez, Master. We'll be right back.
à Seb, c'est Sébastien. Big up à Seb. Sébastien Lang. Bon big up à Seb. C'est ça. C'est clair. S'il met cette vidéo. Mais ouais, non, mais c'est, voilà, ce gars-là, c'est une crème, c'est un tueur. C'est vraiment juste parfait de bosser avec lui, donc forcément, le résultat au bout est vraiment cool, quoi. Pour des trucs faits à la maison, quoi. Ouais, il est venu avec son matos. C'est clair. On a fait un enregistrement de batterie chez un pote dans la grange. On a fait les enregistrements gratte chez lui, dans le salon. Les prises voix, je les ai fait dans ma piole chez mes parents. Quoi. Voilà, on a tout fait à la maison, mec. Ouais, comme, vrai, comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller dans un studio. Je ne dénigre absolument pas les, les studios, quoi que ce soit, mais comme quoi, il n'y a pas besoin de, à la maison, c'est cool, c'est de, d'aller dans un gros studio, quoi que ce soit. Finalement, quand tu fais ça chez toi, ça marche aussi bien, la preuve. Avec un mec qui est tartine. Après, avec, voilà, un mec qui gère son truc. Qui connaît son taf. Non, mais c'est vraiment, il a fait vraiment du boulot de ouf, quoi. C'est vraiment cool. Non, quand il est sorti, on était tous contents. Ouais, ouais, fait la sortie la vinyle, pochette et tout, on était super contents aussi. Ouais, carrément, Mathieu Frixit qui a fait la pochette. Carrément. Vraiment cool aussi. Bah, ça reste toujours assez perso, comme sur l'EP, quoi. Donc ouais, une song sur la religion, une autre sur un peu la mort de l'éthique dans la scène punk hardcore, où il n'y en a plus vraiment, quoi, ça se trouve difficilement. J'ai une song sur mes potes de 9-11 aussi, qui s'appelle Torch Keepers, qui est genre un peu les gardiens du DIY, pour moi un peu français, quoi. Voilà, quoi, des mecs qui ont encore des valeurs, hein, qui sont pas là juste pour l'image, avec les beaux tatouages et les belles likes, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes un peu différents. C'était aussi dans une période où j'ai eu pas mal de merde, tu vois, donc il y avait pas mal de choses à raconter, quoi. Donc, pour le coup, ça déchargeait, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Cette son qui s'appelle Push Away, ça parle un peu des religions, quoi. Qui, après moi, c'est mon avis perso, c'est un peu de la merde, ça fout tout le temps par balle partout. Donc, j'ai envie de faire une petite chanson là-dessus, c'est pas très original. We'll be right back.
ça, dès, ouais, bah, dès que c'est sorti, septembre. Septembre, le 12 Les Fest, qu'on a fait là au mois de septembre. C'était plutôt cool. Ouais, c'est ça, bah, c'est Olivier Daléa qui avait proposé de faire des week-ends en fait, avec eux pour défendre l'album. Quoi. Donc on est parti en week-end concert avec Aléa et Kids of Rage, le groupe qui est aussi sur le label, le groupe espagnol, Code Barcelone. Et donc on s'est fait ça, c'est qu'il y a les trois week-ends concerts en septembre. Avec une petite tournée. C'est ça, on a profité pour tourner le clip en même temps sur ces dates-là. Et puis ensuite on est parti en tournée avec les copains de Fire at Will. Fin octobre, début novembre, on est parti 15 jours, tourner les pays de l'Est, Europe de l'Est. Vraiment cool quoi. Que du bonheur. Ouais, franchement, non, on a bien défendu ce début de. C'était plutôt. C'était plutôt bénéfique. C'est ça. En live, je pense que ouais, ça fonctionne, les gens ils kiffent quoi. De toute façon, c'est une musique de live quoi. C'est... En France qui arrive. Il y avait deux projets de tournée Espagne-Portugal en avril et puis un gros week-end Allemagne, Belgique, Hollande. Donc là, il y a encore des attentes sur des trucs. On ne sait pas si ça va être vraiment booké, donc on attend de voir. Après, rester sur la dynamique. Quoi. Je crois que le but cette année, ce serait vraiment de tourner. Redéfendre à fond. Un maximum comme on a pu le faire de septembre à septembre, octobre, novembre, comme on a pu le faire à ce moment-là. Je pense que là, le projet et les attentes elles sont là-dessus quoi. Pour le moment en France quoi, et puis après si. Oui, pas qu'en France, on s'en branle. Voilà, non mais je veux dire partout on peut jouer. Partout, ouais. C'est vraiment je crois que c'est vraiment l'optique de chacun et du groupe en général. Parce que voilà, la fin d'année dernière a été vraiment bien, il y a eu une petite pause là et puis du coup ça reprend, mais on aimerait que ce soit toujours plus finalement. Ouais, mais quand t'as goûté, c'est normal. C'est ça. Alors, puis après, à l'avenir, bah, sûrement un autre album. Bon. Ouais.
Après, on a un projet qu'on a recommencé à composer. Mmh. J'aimerais bien qu'on fasse on aimerait bien peut-être faire un petit 3 titres ou un split, un truc avec un autre groupe cette année. Quoi. Ouais, et puis proposer un 3 titres ou un 4 titres qui évolue aussi dans le style et qui permette de proposer aussi autre chose que ce qu'a été l'album. Bah écoute, ouais, non, pour conclure, ouais, je pense. Nous, c'était Real Deal Motherfucker. Real Deal Motherfucker. Bon, ça sera avec une gratte, une basse, il n'y aura pas de guitare. Malheureusement. Cette fois. Ça sera pas le meilleur basse, meilleure partie basse du t'as monde. T'as slappé. J'ai vu le moment où. C'était bien cool en tout cas. Carrément. C'était bien sympa. Carrément. Puis on se reverra bientôt, je pense que. Ok, donc c'est la dernière son, regarde, Nico. Alors, ça s'appelle Torch Keepers. Allez, pour mes potes, mes anciens potes de 911, donc c'est toujours mes potes d'ailleurs. Quoi. Ils sont toujours à mort, donc un petit clin d'œil pour eux, quoi. Hey,